Bonjour mes amis, je m'appelle Adam. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le résumé d'une histoire que j'ai lue. Cette histoire est sous titre « Baudu, chat savant ». Résumé. Juliette est une petite fille qui a un énorme chien qui s'appelle Baudu. Un jour, la mère de Juliette a une visite de sa voisine avec sa petite fille. Elle avait un tout minuscule chien qui s'appelle Gérald. Ce chien sait faire beaucoup de choses, comme saluer et faire des additions, etc. Juliette était tellement jalouse. Elle commence à comparer son chien Baudu avec celui de sa petite voisine. Baudu, qui ne sait rien faire, seulement manger et dormir. Elle demande à son frère de l'aider à apprendre à Baudu de faire des additions et de tenir une balle avec son nez. Mais le chien aime beaucoup croquer les balles avec ses dents, au lieu de jouer avec et les tenir avec son nez. La tâche est très difficile pour Juliette, car Baudu est un chien paresseux. Le jour est venu pour contrôler Baudu. Elle va le laisser garder la maison, le temps qu'elle va voir sa mamie. Comme d'habitude, il s'est endormi en laissant la maison sans gardien. En revenant à la maison, Juliette reste bouche bée. Il y a deux hommes dans le jardin, en train d'emplir une piscine démontable. Et son chien est endormi comme si rien ne se passe. Le père Juliette a expliqué aux hommes que la piscine est pour leurs voisins. Le temps que le papa explique le malentendu aux deux hommes, la maman est entrée préparer un jus d'orange pour ces pauvres qui doivent démonter la piscine. À ce moment, le bébé Antonin faillit tomber dans l'eau. La maman a poussé un cri assourdissant. En ce moment, Baudu saute comme un héros et attrape le bébé de ses vêtements avec ses dents et l'empêche de tomber. Juliette était très fière de son courageux chien. Et elle décide de l'aimer et l'accepter comme il est, parce qu'il mérite son amour. Merci mes amis de m'avoir écouté, mon résumé, et au revoir.